grâce que tu me donnes, c'est dénouer le privilège que tu me donnes, c'est dénouer, car tu Jésus, je te suivrai. Oh.
qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'homme plein, enfant bien-aimé. C'est le roi des gloires, il est le roi des gloires, qui règne sur les peuples dans la vérité, vivant le soleil de tout son éclat. C'est le roi des gloires, il est le roi des gloires. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé les qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne, digne, quelle grâce est comparable, quel amour infini. Que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Le Seigneur de gloire. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Car Dieu a tant aimé. Alléluia. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie. Qu'il ait la vie. Dieu étend sa main à tout le monde, afin que celui qui reçoit sa main ne meure pas, n'aille pas en enfer, mais qu'il se détourne du chemin de la mort et prendre le chemin de la vie. L'amour de Dieu est infini, est inconditionnel. Glorifions notre Dieu pour ce qu'il a fait à la croix, pour ce qu'il a fait à la croix. Il n'y a pas de plus précieux que le salut que le Seigneur nous a accordé. Le salut que Dieu nous a donné, c'est une vie sans fin. Cette vie est plus que l'argent, et plus que toute autre chose précieuse que nous connaissons dans ce monde. La vie éternelle. Le but de ce programme, que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Le sommet spirituel a frappé pas mal de chrétiens, même à travers le monde. Parce que le diable a mis pas mal de distractions dans ce monde qui éloigne beaucoup des enfants de Dieu dans la présence de leur Dieu. Parmi lesquels nous avons la télévision, nous avons les réseaux sociaux qui tuent, qui est un outil de l'ennemi pour créer pas mal de distractions dans la vie de plusieurs personnes. En Europe, à cette terre, si vous allez dans certains quartiers, vous trouverez comme si les gens ne vivent pas là-bas. C'est tellement calme, c'est tellement
seriez comme, c'est dans, comme dans un cimetière. On n'entend plus le bruit des enfants, pas le bruit des... Voilà, tout est calme. On dirait que les gens sont en train de dormir, mais en réalité, ils sont devant leur télé. Ils regardent les séries télévisées. Ne bougez pas trop WhatsApp, hein. Ça crée beaucoup de bruit ici. Si vous êtes en train de faire des mouvements, ça fait beaucoup des échos, s'il vous plaît. Si vous voulez faire un mouvement, vous pouvez mettre vos micros en mode silencieux, puis vous allez ouvrir pendant la prière. C'est comme dans un cimetière, il y a le calme, tout simplement, parce que les gens sont devant leur télé, ils sont devant leurs ordinateurs, ils regardent quoi? Les séries. Il y a d'autres qui sont sur TikTok, d'autres sur WhatsApp. Et parmi ces gens, les chrétiens aussi sont dedans. Regardez seulement les amis que vous avez sur TikTok, les amis que vous avez sur Facebook, vous allez voir qu'il y a plusieurs chrétiens. Vous allez les retrouver peut-être du matin jusqu'au soir, il est toujours connecté. Vous allez se poser la question, ces chrétiens prient quand? Ils méditent la Bible quand? La distraction. Et c'est comme ça que le diable a saisi cette opportunité. Sachant que les gens sont fougués dans la distraction. Les gens sont traînés par des séries télévisées, par des théâtres, par des des balivernes, des choses moins importantes. Et du coup, ils viennent semer pas mal de soucis dans la vie de plusieurs personnes. Ici en Europe, nous avons pas mal de cas de gens qui souffrent énormément, qui pleurent. Et nous sommes en train de perdre même certains bien-aimés dans les Seigneurs qui meurent. Une courte maladie, la personne est partie. Les enfants de Dieu, beaucoup ont perdu la vie de prière. Beaucoup ne jeûnent plus. Beaucoup ne lisent plus la Bible. Ils sont devenus des religieux. Ils ne fréquentent que des assemblées le jour des cultes. Ils viennent, ils prient, et puis ils chantent. Quand il va retourner dans sa maison, il reprenne sa vie comme d'habitude. Voilà pourquoi l'action de l'esprit est rétrécie même dans nos vies. Si tel est le cas pour ta vie, le Seigneur t'interpelle ce soir. Tu dois abandonner toute forme de distraction. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Si tu n'as pas les disciplines dans la vie chrétienne, tu mourras comme une bête. Le diable jouera de ta vie, même de ta famille. Les chrétiens doivent comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Nous ne sommes pas du monde. Bien que nous vivons dans ce monde, tout ce qui est dans ce monde ne nous appartient pas. Appartiennent à l'ennemi. C'est l'ennemi qui manipule toutes choses. Et si vous les aimez tellement, vous serez pris au piège de l'ennemi. La Bible dit, l'affection du monde, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. Combien de temps tu prends chaque jour dans la présence de Dieu? Et combien de temps tu passes dans le monde dans des futilités? Le Seigneur avait pesé un roi sur sa balance. Il a pris Belshazzar avant de le faire du mal. Il dit, bon, je ne veux pas le juger du coup. Il a récupéré sa balance. Il a placé ce roi. La Bible a dit, le Seigneur a compté. Il a pesé. Il a divisé. Ce roi a été trouvé léger. Et le Seigneur l'avait frappé de la mort. Est-ce que si le Seigneur te récupère, il pèse sa vie chrétienne sur sa balance, est-ce que tu auras du poids? Ou c'est la distraction qui va peser? Ou c'est la chair qui aura beaucoup plus du poids que la spiritualité? Réfléchis même une seconde par rapport à cela. Le Seigneur t'interpelle. Il ne parle pas à tous, mais à toi. Répare ta vie spirituelle. Abandonne toute forme de distraction qui tue ta vie de prière. Abandonne toute forme de distraction qui tue ta vie de méditation.
et demande à Dieu, via ses requêtes, Seigneur, donne-moi la force de reprendre, Seigneur, ma vie relationnelle, de reprendre ma vie d'intimité par la prière et de jeûne, de discipline. Seigneur, s'il te plaît, regarde, c'est ça qui tue ma vie de prière. Regarde, c'est ça qui tue ma vie de méditation. Demande à Dieu de réparer, de restaurer ta vie de prière, de restaurer ta vie de méditation. Parce que ta bénédiction, parce que ton salut éternel, parce que le bien que le Seigneur veut t'accorder, tu ne peux le recevoir que si tu as une bonne relation avec Dieu via la prière, via la méditation ou l'amour pour sa parole. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi donc d'où tu es tombé. Et pratiquer tes bonnes œuvres. Prions, demandons la vie de prière. Demandons au Seigneur de restaurer. Il est le réparateur des brèches. Commencez à prier. Le Seigneur t'accorde cet esprit de chercher sa face, de s'approcher de lui, d'abandonner toute forme de distraction. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Notre Dieu, notre roi, je te prie, Seigneur. Seigneur, les réseaux sociaux, Seigneur, la télévision, les séries télévisées, Seigneur, toute forme de distraction, tue notre vie de prière, tue notre vie relationnelle avec toi. Seigneur, oh, ce soir, nous nous sommes approchés de toi. Le diable a mis toutes ces choses en place parce qu'il sait que ce n'est pas seulement les païens qui seront pris au piège, même les chrétiens qui seront pris au piège de TikTok, de Facebook, Seigneur, de toutes ces distractions, Seigneur, ces plateformes que le diable a mises en place, qui est en train de tuer la vie des prières de plusieurs, qui est en train de tuer la vie des méditations de plusieurs, qui est en train de tuer, Seigneur, notre vie d'intimité avec toi. Oh, je te prie, Seigneur, je te prie ce soir, Seigneur, de restaurer, Seigneur, notre vie de prière, notre vie d'intimité avec toi, notre vie relationnelle avec toi, notre vie de prière, nos vies de prière, nos vies de prière qui sont morts, Seigneur. Et nous sommes en train de pleurer à tout moment. Nous pleurons quand l'ennemi nous visite, quand l'ennemi nous gratte, quand l'ennemi nous rend visite. Nous sommes en train de pleurnicher, nous sommes en train de s'inquiéter, nous sommes en train de se lamenter. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous rend visite. Parce que l'ennemi nous cherche. Parce que l'ennemi, Seigneur, est entré dans notre carré. Seigneur, nous prions que ce soir, que cela ne se répète plus. Restaure nos vies de prière. Restaure nos vies de prière. Restaure nos vies de prière. Restaure nos vies relationnelles. Restaure nos vies d'intimité avec toi, notre Dieu. S'il te plaît, le roi des gloires. S'il te plaît, le Seigneur des Seigneurs. S'il te plaît, l'agneau de Dieu. S'il te plaît, le Tout-Puissant, s'il te plaît, le Seigneur des Seigneurs, je te prie, je te prie, je te prie, je te prie, au nom de Jésus, Père, commence à restaurer la vie de prière de ton fils, la vie de prière de ta fille, la vie de méditation de ton fils, la vie de méditation de ta fille, au nom de Jésus, restaure, 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 ô Père, ô Père, ô Père. Oh Père, restaure, restaure, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Roi Brada Saka, Rita Ketamarochen, Indoro Dagera Manoshi, Rokamaro Babosaka, Enderia Baba Shanta Merebos. Père, restaure. Restaure notre vie d'intimité avec toi. Restaure notre vie de prière. Restaure, Seigneur, nos vies relationnelles avec toi. Nous te supplions, nous te prions. Père, aidez-nous. 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 Aidez-nous à prier, à méditer. Seigneur, à jeûner, à faire des disciplines comme avant. Seigneur, ce soir. Seigneur, tu nous interpelles tous, tu nous interpelles, tu nous interpelles, tu nous interpelles à restaurer, Seigneur, nos vies de prière, à remonter nos niveaux de prière, à remonter notre vie d'intimité avec toi. Seigneur, les réseaux sociaux, Seigneur, tue notre vie d'intimité avec toi, tue nos vies de prière, tue nos vies de prière.
Tue nos vies de méditation, mais Seigneur, ce soir, nous nous sommes approchés au pied de la croix, nous nous sommes approchés au bas de la montagne, afin que Seigneur, que tu nous donnes la vie, cette vie de prière, ce désir, ce goût de prier, de chercher ta face, au nom de Yeshua, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père restaure, Père restaure, Père restaure, Père restaure, Père restaure, restaure la vie des prières de ta fille, restaure la vie des prières de ton fils, au nom de Jésus. Oh Seigneur, l'ennemi a semé beaucoup de soucis, il a saisi l'occasion, ah il dit, voilà, il est sur TikTok, il envoie ses agents entrer dans sa vie, il est sur la distraction, il est sur la télé, il regarde les séries télévisées, voilà. Il n'est pas dans la prière, il n'est pas dans la présence de Dieu. Il envoie ses agents, il dit percer sa vie. Entrez, injecte la maladie, injecte les blocages, injecte les complications, injecte les soucis. Oh Père, nous nous sommes maintenant conscients, nous avons compris que l'ennemi sème là où les gens dorment, l'ennemi sème là où il y a le sommeil, là où il y a la distraction. Nous nous sommes révoltés au nom de Jésus. Nous sommes révoltés. Nous disons non aux influences sataniques. Nous disons non à toute forme de distraction que l'ennemi, Seigneur, met devant nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les réparateurs des brèches, les réparateurs des brèches, les réparateurs des brèches, c'est notre Seigneur. Seigneur, je crois que tu restaures, que tu restaures, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Rabosada Rabashi. Indaramashe de Rebasaka. Au nom de Jésus. Indoroborobosaka. Indaremase de Merebroi. Korimando Robosakae. Maoui sete Merebronika. Ruta Meremando Soto. Enderiakata Marosuma Kantia. Rinde katu moro supro kodomi bosa. Agis le roi de gloire. Agis le seigneur de gloire. Agis le pain de vie. Agis le tout puissant. Agis le créateur du ciel et la terre. Jésus. 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 Agis. 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 Père éternel. Prince de paix. Prince de vie. Agis, agis, délivre-nous de toute distraction, délivre-nous de toute forme de distraction qui tue, Seigneur, notre vie relationnelle, notre vie relationnelle avec toi. Oh papa, oh papa, oh papa. Alléluia, 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 alléluia. Visite-nous, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. 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 Sous tes mains, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Dans nos soutiens-nous. Soutiens-nous. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous. Soutiens-nous. Oh, Jésus. Soutiens-nous. Soutiens-nous. Restaure nos vies de prière, Jésus. Restaure nos vies relationnelles, Jésus.
Restaure nos vies d'intimité, Seigneur. Restaure, Seigneur Jésus. Restaure, 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 Seigneur. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, que ta puissance descend sur nous ce soir, l'onction divine comble. Passé à aider.
Jésus, un grand merci. Grand Jésus, un grand merci. Place au ré. Chanson à Lingala à ma langue. Je donnerai l'explication après. Molinga mi mala, alinga kapona bosui teye, alinga kapona bisale. Yangona bengi yo molinga, na li solo ya boli. Maloba ezala kana kuya oyo eto motema suka se monoko eloba kosala na moninga malamu eza bozi na tangwa pasi to ya kosuka kayo soki pasi ekomi na motema na lapi daye bona yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema na ngai Yesu we Yesu we Yesu Moninga malamu. Nazana melenge na bolingo e, na yebi kolinga te oh oh oh, olangwisi motema nanga. Yesu moninga malamu. Na benga yo na koko nini, na benga yo papa na bana, ololo ya motema nanga, Yesu moninga malamu, Yesu we, Yesu we, Yesu we, yo moninga malamu. Molinga mi malamu, alinga kapona bozwi teye, alinga kapona bisali, yango na bengi yo moninga, na li solo ya bolingo e, malobe zalaka na nguya e, oyo eto timotema. Kase monoko elobai, kozala na moninga malamu. Eza bozi na tangwa pasi, moto ya kosunga kayo. Soki pasi ekomi, na motema na lapi ayi. Bono na kosala nyonso, ekoki na sala olangwisi motema nanga Yesu we Yesu we Yesu we yo moninga malamu. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas ma langue, cette chanson veut dire Alingala, parce que c'est Alingala que je chantais, la langue de Kinshasa. Ça veut dire Molingami Malamu, un ami fidèle. Alingaka pona bozuite, il n'aime pas parce que tu as des richesses, parce que tu as beaucoup de moyens.
Mais Alinga Kapona Bizaï, il l'aime parce que tu manifestes un bon comportement vis-à-vis de lui. Alors, je dis que Zana Moninga Malam, Ezali Bosunatanga pas, c'est-à-dire avoir cet ami fidèle, Ezali Bosunatanga pas, c'est-à-dire c'est une richesse au moment des souffrances. Donc, quand il y a cet ami fidèle, donc, il ne t'abandonnera pas au moment des détresses. Parce que les amis de ce monde nous aiment quand nous avons quelque chose, quand nous sommes en bonne santé. Mais au moment des détresses, tu verras que les amis qui étaient proches de toi, tout souvent s'éloignaient. Mais le seul qui est ami fidèle, qui ne peut t'abandonner, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la souffrance ou dans des détresses, c'est cet ami fidèle que nous expliquons, Jésus-Christ. En fait, c'est ça le contenu de la chanson que je viens de chanter. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est-à-dire avoir cet ami, un tel ami, donc c'est plus que les richesses de ce monde. Donc, au moment de détresse, il sera toujours à côté de toi. Et cela est approuvé dans la Bible. On voit que quand Lazare était décédé, donc tout le monde était parti, l'avait accompagné dans la tombe, et puis l'ont déposé, puis tous étaient rentrés et puis s'évacuaient à leurs occupations. Mais l'ami fidèle, quand il était venu, Jésus, lui, il a dit, où vous l'avez mis? Montrez-moi. On l'a dit, il fait 4 jours, il sent déjà. Le Seigneur a accepté qu'on ouvre la tombe, même si il sent. Je vais voir le corps de mon ami Lazare. Je vais sentir cette odeur de son corps. Et comme le Seigneur avait insisté, sa famille n'avait pas le choix, l'ont accompagné jusqu'au cimetière. Et on a ôté la pierre. Et du coup, comme il était quelqu'un de miracle, voilà, il a crié. Donc regardez les cris que le Seigneur avait libérés. C'était avec l'affection qu'il avait pour son ami aussi, que je peux dire. Il a crié d'une voix forte, il dit, Lazare, Lazare, sors. Et comme c'était un cri qui était accompagné avec l'onction, cette parole était allée même dans les séjours de mort récupérer l'âme de Lazare et le remettre dans un corps qui était restauré par lui-même. Et Lazare était revenu à la vie. Celui qui ne peut nous délaisser, qui ne peut nous abandonner, à n'importe quelle circonstance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il sera toujours avec nous à tout moment. À tout moment. Voilà, c'est ça le résumé de la chanson que je viens de chanter. Alors, place à l'exhortation. Je suis en train de partager avec nous. Gloire à Dieu, Sire. Je crois que c'est aujourd'hui, peut-être on mettra un point virgule par rapport à cette thématique. Voilà, si Dieu le veut, on va partager autre chose la semaine, au fait, le mercredi. Voilà. Travaillez d'une main, tenez une arme de l'autre. Nous sommes en train de nous interpeller toujours sur la prière, la raison pour laquelle nous sommes en train de faire des fortes intercessions pour que nous remettons un peu, nous remontons plutôt un peu nos niveaux de prière, parce que il y a pas mal des enfants de Dieu qui ont perdu carrément la vie de prière, qui n'ont plus cette vie vraiment d'intimité avec Dieu via la prière, et beaucoup ne lisent pas leur Bible. C'est un constat qu'on a fait parce que on a côtoyé pas mal des enfants de Dieu et on a vu. Déjà quand on prie, vous voyez qu'il y a d'autres même qui ne prient pas. Vous sentez qu'ici il y a un souci. Alors c'est pour cela qu'on a changé un peu notre programme. Donc, on commence plus à faire des intercessions et des petites exhortations. Donc, tel que je suis là, dans 20 minutes, je vais couper parce que je vais nous exhorter seulement 20 minutes. Donc, je réitère et j'insiste, chers enfants de Dieu, étant que ministre du Seigneur Jésus-Christ auquel je suis, ne regardez pas ma physique, mon physique. Donc, je vous conjure par les compassions
Hein? Je vous exhorte par les compassions du Seigneur Jésus-Christ de pouvoir, mes bien-aimés, écouter ce que nous sommes en train de vous dire et de les mettre en application. N'attendez pas que le Seigneur vienne te parler à l'oreille directement. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle au travers de ses ministres, de ses serviteurs auxquels nous sommes. Nous ne sommes pas des personnes utiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des esclaves, vos esclaves. Les sacrifices que nous sommes en train de faire, peut-être pour partager la parole avec vous, venir ici, vous n'allez pas peut-être se rendre compte. On ne nous paye pas. On les fait pour l'amour du Seigneur parce qu'on a réussi ces dons de servir le Seigneur comme esclave. Et le mot serviteur dans la Bible veut dire esclave. Alors, les conseils que nous sommes en train de vous prodiguer, c'est pour votre bien. Si vous les mettez en pratique, vous allez vivre la main de Dieu. Évitez toute forme de distraction qui tue votre vie de prière et votre vie de méditation. Si tu fais partie des secrétaires qui ne lisent pas la Bible, c'est que tu as un problème. Donc, si tu termines la journée, tu ne lis même pas un verset de la Bible, c'est qu'il y a un souci. Tu as un problème. Si tu peux finir la journée, tu ne pries que le soir. Et puis, peu de temps, moins de 30 minutes, c'est qu'il y a un souci. La vie chrétienne, c'est une vie comme toute autre vie. C'est pour ça qu'on dit vie chrétienne. La vie physique est entourée de plusieurs choses. Quand on se réveille, on se lave, on brosse les dents, on regarde un peu son visage. Ça fait partie de la vie physique. Et après, bon, je dois manger quelque chose. Là, vous êtes directement à la cuisine, vous êtes en train de chauffer un peu, faire une tisane ou un café. Et après, vous allez manger. Ça fait partie de la vie physique. Vous êtes en train de nourrir le corps. Et votre esprit, vous ne le nourrissez pas. Vous ne le nourrissez pas, votre esprit. L'esprit aussi doit être nourri, doit être entretenu comme on entretient nos corps. On doit aussi entretenir l'esprit. Par la parole, méditer la parole, la vie de prière. Quelques disciplines sur le plan spirituel des jeunes. Nous, on a fait 3 jours. Dans quelques heures, là, on va descendre. Je ne me glorifie pas loin de là au nom de Jésus. Mais je suis en train de nous pousser aussi à faire des programmes comme ceci, à jeûner aussi. 3 jours depuis vendredi. Est-ce que nous sommes morts? Regardez toute l'énergie que j'ai. Le problème, c'est ici, au niveau de la tête. Si tu penses que oh, si je jeûne, oh, ça va me faire ça. Ça te fera aussi ça. Mais si tu prends une idée, tu dis, Seigneur, moi je vais faire ce programme, donne-moi la force. Le Seigneur te donnera la force. Je suis ici avec mes bien-aimés. Le bien-aimé Cyril, il est parti même en jeûne, à l'état de jeûne au travail. 3 jours. Mais on est là en forme et tout ça. On parle comme si on avait mangé. Évitez toutes ces raisons, tout ça. Si tu es malade, pas de souci. Mais fais même des petites disciplines parce que c'est pour ton bien. Tu verras le jour où tu vas faire cette discipline, tu verras même cette maladie partira. Moi, j'ai déjà fait le jeûne à l'état de malade. Je ne dis pas que toi, tu le fais. Je ne connais pas la dimension de ta foi. Ça, c'était par rapport à ma foi. J'étais malade, mais je jeûnais. À l'état malade. Et à la fin de mon jeûne, la maladie est partie. Il est question de la foi. Donc, le but de ce programme, chers enfants de Dieu, que nous soyons des hommes et des femmes de prière. C'est-à-dire, il faut chauffer depuis nos maisons là-bas, il faut chauffer, il faut mettre les bois, mettre du feu. Là où il n'y a pas les feux, c'est là où il y a vipère, là où il y a le serpent. Vous aimez toujours passer par les serviteurs, appeler les hommes de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais des fois, les hommes de Dieu aussi sont fatigués. Des fois, il va prier, bon, il prie.
Peut-être que tu ne connais pas aussi, pendant ces temps, les problèmes qui l'environnent. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Les hommes de Dieu sont des humains. Ce n'est pas tout le temps ils sont en forme, non. Mais des fois, ils accomplissent seulement le ministère, la tâche. Mais il peut avoir aussi des soucis, quelques problèmes. Peut-être lui-même aussi ne prie pas. Il dort comme un enfant. Ça arrive. Si vous ne savez pas, ça arrive. Maintenant, quand toi, tu les demandes, prie pour moi, il n'a pas l'huile. Nous devons être responsables, être conscients. La vie chrétienne, d'abord, ça commence par soi-même. C'est-à-dire ta vie de prière. C'est-à-dire toi-même, tu dois vivre ta vie chrétienne depuis chez toi. Ce n'est pas seulement quand on vient dans les assemblées, là, voilà, je suis chrétien, on prie. Mais chez toi, tu ne pries pas. Chez toi, tu ne médites pas. Et tu veux être délivré d'une situation quelconque. Par quelle magie? Par quelle magie? Voilà. D'une part, ce n'est pas aussi peut-être la faute des fidèles, mais peut-être les serviteurs de Dieu, peut-être aussi, ne véhiculent pas des enseignements sur la prière ou sur l'intercession. La raison pour laquelle nous sommes fait un peu une marche en arrière pour maintenant commencer, parce que j'avais commencé avec les enseignements sur la prière, mais là on commence à faire la pratique. Donc, on prie. Donc, ces modèles que nous sommes en train de faire, c'est ça ce que tu dois faire aussi chez toi. Ne dormez pas comme un païen, non. Prends le temps, et puis n'attendez pas que le sommeil commence à venir. Ici, je vois même certaines personnes que je connais. Donc, vous allez voir que la personne, il est derrière son attel sur son laptop, en train de regarder des séries, ta 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 ta. Quand il commence à sentir maintenant sa collégienne commence à s'apesantir, c'est à ce moment-là qu'il va aller maintenant s'allonger. Maintenant, il fait la prière comme un petit enfant. Seigneur Jésus, garde-moi. Il demande seulement la protection par défaut de crainte, par défaut de peur, pour ne pas être touché par je ne sais pas quoi. Ça, c'est des blagues. La vie de prière doit être une vie. Une vie. Avant de dormir, vous savez déjà quand on mange le soir, avec les effets de la digestion, ça crée déjà la lourdeur au niveau de l'âme. Si tu sais que quand tu manges, tu auras du mal à prier, prie d'abord avant de manger. Moi, je le fais. Moi, souvent, quand je mange, si je vais prier la nuit, des fois, ça me complique un peu la vie. Soit il faut que je m'efforce trop. Alors, j'ai changé le système, je prie avant. Et puis, je vais manger après. Quand la digestion va commencer à se manifester, je sais déjà, j'avais déjà fait ma part. La prière, j'avais déjà prié. Et puis, je dors. Il faut être un stratège. Il faut créer des sensibles pour ne pas tuer ta vie d'intimité avec le Seigneur et rester toujours dans la présence de Dieu. Beaucoup de situations compliquées dans nos vies, beaucoup de soucis que nous avons, je vous dis devant le Seigneur en élevant mes mains au ciel, ça vient de l'ennemi. La majorité, surtout de la maladie. Si vous allez à l'hôpital, les médecins ne verront pas un démon. Avec le microscope, là, on verra les microbes que les démons ont mis. On ne verra pas un démon. Mais si vous venez chez nous, les hommes de Dieu, avec les visères, avec les dons des révélations, on verra que là, c'est un démon. Regardez, Jésus a prié pour la belle-mère de Pierre qui avait une forte fièvre. Quand Jésus a prié, la fièvre est partie. Ça, c'était une fièvre normale. Ces fièvres-là, c'était causé par un démon. Jésus a prié pour un fou. Les gens voient un fou. Si vous allez chez les médecins, on dira quoi? Ils vont faire des examens et dire non, c'est suite à ça. C'est suite à ça. Je suis allé ici à l'hôpital quand on était allé voir notre sœur Nicole. Je vis un monsieur qui ne parlait pas. Je me sentais une colère sainte. J'étais avec mes frères, mais ils ne savaient pas ce que je ressentais dans mon cœur. Donc, une colère de poser ma main de chasser ces démons. Parce que moi, je voyais un esprit. Donc, une personne qui marche et puis les démons, les esprits l'ont fracassé la jambe. Il ne marchait pas bien. Et dans l'entretemps, l'ont rendu mioué.
Mais les médecins, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont regardé. Ils ont vu quoi? L'AVC. Beaucoup des AVC ne viennent pas, je ne sais pas, tout ce que vous connaissez, là, ne vient pas de ça. Certains viennent de l'ennemi, la majorité. Je vous avais parlé de la rise ici. Chers enfants de Dieu, si vous négligez la prière, n'entendez pas d'être délivré d'une situation quelconque, sachez que l'ennemi viendra. Une personne qui prie, en tout cas, c'est difficile pour que l'ennemi lui impose une situation négative ou une situation quelconque. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Une personne qui prie, qui chauffe, tu chauffes le matin. Si tu as le temps, tu chauffes le midi, à midi. Si tu as encore le temps, tu chauffes le soir. Et tu restes longtemps dans la présence de Dieu. Et tu sois visité par... Ah, c'est que le Dieu que nous prions, c'est que Jésus est resté dans la tombe, il n'est pas ressuscité. Donc, le but de ce programme, c'est de nous pousser à prier, d'être des intercesseurs. Intercède pour ta vie. Prends le temps de lire la Bible parce que c'est ça ce qui fera ta force sur le plan spirituel. Alors, Éphésiens chapitre 6, verset, on va parler aujourd'hui, on termine par ici. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, la Bible dit, c'est la parole. Nous avions dit tantôt que toute prière faite sans la parole, qui n'est pas liée au passage biblique, c'est une prière nulle. Cette prière se limite seulement au niveau de ta toiture de la maison. Dieu n'exauce pas cette prière. Dieu n'écoute pas la prière parce que tu utilises de belles phrases, de belles paroles, parce que tu es tellement dans la détresse, parce que tu plaires tellement trop. Non. Dieu n'écoute que sa parole. La raison pour laquelle il a mis la Bible à notre disposition pour que nous la lisions, voyez, pour que nous la lisions, afin que nous comprenions comment prier. L'épée de l'esprit ici, c'est une arme offensive. C'est-à-dire, si tu veux chasser un démon hors d'état de nuire dans ta vie, il faut qu'il y ait un verset qui va soutenir tout ce que tu dois dire. Que quand le démon va entendre ce verset, il dit, « Hey, là, je n'ai plus la place. Cet enfant de Dieu connaît ses droits. Donc, je ne peux que partir. » Tu ne peux pas chasser les démons seulement. « Au nom de Jésus, sors. » Au nom... Tu dois lier ce nom de Jésus avec un verset qui te donne le pouvoir de les chasser. Parce qu'il faut comprendre que sur le plan spirituel, les esprits sont soumis aux principes ou aux lois spirituelles. Ils savent. Le diable ne peut pas s'attaquer à quelqu'un qui vit dans la sanctification. Ne peut pas posséder son corps. Vous voyez? Déjà dans la loi spirituelle, le diable peut te voir là. Il te regarde. Mais pour entrer dans ton corps, si tu vis dans la sainteté, il n'entrera pas. Donc il y a une loi qui l'interdit, tu ne peux pas posséder ce corps. Mais si le diable maintenant trouve l'accès dans ta vie ou quelque chose qui lui appartient, là il entrera. Les esprits sont soumis aux lois divines. Donc quand tu es en train de chasser un démon, tu utilises une loi divine. Tu récupères une parole que Dieu a déjà libérée. Que à mon nom, vous chasserez les démons. Donc quand tu récupères une telle écriture, les démons savent que Dieu qui nous a créés, parce que les démons... En réalité, Dieu n'a pas créé des démons, mais il a créé les anges, mais qui sont devenus des démons parce qu'ils ont suivi Satan. Parce que ces anges-là savent que nous sommes créés par lui. Et cette parole, cet enfant de Dieu vient de libérer, c'est le maître de tout esprit, le Seigneur de tout esprit qui a dit ça. Donc nous ne pouvons que obtempérer, se plier devant cette parole et quitter sa vie. Vous voyez comment on prie? Donc c'est comme ça. Mais si tu es en train de chasser les démons,
tu n'utilises pas les passages bibliques, les démons ne partiront pas. Ne partiront pas. Ne partiront pas. Voilà, il y a de l'intérêt à méditer la Bible et de connaître la parole de Dieu. Connaître quelques versets bibliques qui te permettront, quand tu pries, tu récupères, tu dis, ah, ici je vais utiliser tel verset. Ici je vais utiliser tel verset. Regardez, l'épée de l'esprit est comparée, on dit, c'est la parole. Retenons le mot parole, la parole. Je vais lire une écriture dans Nombre. Je saute un peu rapidement. Je crois que je reviendrai même mercredi parce que mon temps est épuisé. Dans 3 minutes, je vais descendre. Deutéronome, prenons chapitre. Non, prenons Nombre, pardon, s'il vous plaît. Nombre, chapitre 10e. Nombre, chapitre 10e. On va lire les versets 9. La Bible dit ceci. Lorsque, bon, je commence à partir du verset 8. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront la trompette. Retenez trompette. Sonneront la trompette. On dit quoi? Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre, retenez le mot guerre, contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Désolé, je vais me mettre ici. Ici, nous voyons qu'on parle. Le Seigneur est en train de s'adresser aux enfants d'Israël. Il dit, avant de partir en guerre, la première des choses que les enfants d'Israël doivent faire, c'est quoi? Il faut d'abord sonner la trompette. Donc, il faut d'abord écouter le son de la trompette. Vous ne pouvez pas partir en guerre si vous n'entendez pas le son de la trompette. Et qui doivent sonner cette trompette? C'est les sacrificateurs. Ici, vous allez voir, on dit Aaron et ses fils. Aaron a donné naissance à 4 enfants, plus lui-même, c'était 5. C'était les 5 personnes que Dieu avait donné les sacerdoces. Vous voyez, ce sont ces 5 personnes. Or, les 5 personnes, c'est-à-dire Aaron et ses fils, ces 5-là représentent aujourd'hui les 5 ministères. Vous comprenez? Or, ceux qui sonnent la trompette aujourd'hui, ce sont les ministres. Parce qu'il faut comprendre que la trompette, selon la Bible, c'est une voix. La trompette, c'est une voix, c'est la parole. Vous vous rappellerez, non? L'écriture d'Ésaïe dit, élève ta voix comme une trompette. Voyez, annonce à ce peuple, voyez, leurs iniquités. Annoncez-la, c'est-à-dire prêcher, parle. Voyez, mais il va élever sa voix comme une trompette. Donc la trompette, c'est la parole. Alors, ceux qui sonnent la trompette, ce sont les ministres de Dieu. Mais dans une autre dimension, parce qu'ici on parle des sacrificateurs, mais aujourd'hui aussi le Seigneur nous a fait tous un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire tout chrétien est censé aussi de méditer la Bible et de sonner la trompette aussi à sa manière. Tu peux aussi sonner. Quand tu pries là, tu peux récupérer un verset, tu sonnes. Mais maintenant, on sonne la trompette ici à quel moment? On sonne la trompette lorsqu'il y a la guerre. Le son de la trompette là qui te permettra de faire quoi? De pouvoir aller combattre ton ennemi. Donc si tu n'attends pas le son de la trompette, n'allez pas en guerre. Donc c'est qu'il n'y a pas guerre. Tu ne peux pas combattre. C'est-à-dire sans la trompette, vous ne pouvez pas combattre. C'est ça en fait ce qu'il faut comprendre. Alors la trompette comme la parole, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui nous permet de faire le combat spirituel. C'est-à-dire, si tu n'as pas la connaissance des Écritures, tu ne peux pas combattre. Sans la parole, tu ne peux pas combattre les diables. Tu ne peux pas combattre les sorciers. Tu ne peux pas combattre les démons. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu
qui te donnera la force de pouvoir faire le combat spirituel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que quand on a la connaissance de la parole, tu feras bien le combat spirituel. Parce que tu vas récupérer les versets bibliques et tu vas libérer dans ta bouche, vous comprenez? Et quand les esprits vont entendre cela, ils vont dire, hey, ça, c'est un hobby qui vient de sortir. Parce qu'il faut comprendre que les démons se soumettent devant la parole de Dieu. Tu peux crier là, comme je voyais nos mamans en Afrique là. Quand il fait un mauvais rêve, vous allez voir, j'ai déjà vu ça, notre ma maman faire ça. Et je me rappelle, mon grand frère avait fait un rêve, il a crié tout ça. Et je vois ma mère faire, bon, ça faisait aussi quelque chose, elle est grimace là. Et il va ouvrir la porte la nuit, il va commencer à parler, attention à mon enfant, toi qui es venu la nuit, je t'ai vu, mais il n'a pas vu. C'est des grimaces. Je t'ai vu, je te connais, reviens encore, tu verras. Et il parle. Et puis ça marchait aussi. Mais c'était des grimaces. Vous voyez? Tu peux parler comme ça, mais ça ne fera pas trembler les diables, ça ne fera pas trembler les démons. Les démons tremblent devant Jésus. Quand on dit devant Jésus, c'est-à-dire devant sa parole, il ne sait plus. Voilà pourquoi la Bible dit, il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, et qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Or, le nom de Jésus qui plie les genoux de tous, c'est-à-dire on dit dans les ciels, sur la terre, sous la terre, vous comprenez? C'est-à-dire sur dans les ciels, il y a les esprits. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, mais ceux qui sont dans les lieux célestes, vous voyez? C'est-à-dire dans les ciels, les esprits qui sont dans les lieux célestes se plient aussi devant le nom de Jésus. Les esprits qui travaillent aussi sur la terre se fléchissent devant le nom de Jésus. Mais ce n'est pas le nom seulement de prononcer. Oui, on prononce le nom au nom de Jésus, il sort. Mais attention, le nom de Jésus ne se limite pas là, mais le nom de Jésus, c'est aussi la parole. Apocalypse chapitre 19, verset 13. On dit son nom, c'est la parole. Il a dit, quand on récupère une écriture, les démons ne font que plier leurs genoux. Est-ce que vous avez compris cela? Donc, les démons ne font que obéir, c'est-à-dire plier, un esprit n'a pas de genoux. Quand on dit tout genou fléchira, les esprits n'ont pas de genoux. Mais c'est-à-dire, c'est la soumission. C'est-à-dire, celui, le nom auquel nous sommes en train d'invoquer est supérieur à leur nom et il ne peut que se soumettre. C'est ça la soumission. Et d'obtempérer et de pouvoir partir. Il y a de l'intérêt de connaître la parole, de lire la parole. Cela vous permettra de bien prier pour faire l'offensive, pour pouvoir attaquer l'ennemi. Alors, on s'arrête ici. Nous allons prier. Bénis le Seigneur. Dis, demande à Jésus de pouvoir t'aider. Que le Seigneur puisse t'aider à avoir la connaissance des Écritures. Demande-lui vraiment que le Seigneur puisse te soutenir. Qu'il te donne l'envie, qu'il te donne la force de lire sa parole. Prions au nom de Jésus. Ouvrons nos micros, prions. Seigneur, aidez-nous, Papa. Donne-nous, Seigneur, la force de lire la parole. Donne-nous envie de méditer la Bible. Père, s'il te plaît, fortifie-nous, notre Dieu. Fortifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous, donne à moi, donne à mes frères, donne à mes sœurs, donne à chacun de nous, Seigneur, cette envie de méditer la Bible, cette envie de lire la Bible. Nous avons compris que, Seigneur, la parole de Dieu, c'est une épée. Et cette épée, Seigneur, nous permet de faire l'offensive, de pouvoir s'attaquer. Cela nous donne, Seigneur, la force de pouvoir combattre nos ennemis et de les vaincre. Père, s'il te plaît, dispose à tes fils, à tes filles, de pouvoir lire la Bible, de comprendre la parole, Seigneur, afin de pouvoir nous permettre de faire le combat sur le plan spirituel et de vaincre, Seigneur, nos ennemis. Seigneur, aidez-nous, soutenez-nous, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier, remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur veille à notre sommeil, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège et qu'il éloigne de nous tout ce qui n'est pas de lui. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions, Père, s'il te plaît, éloigne de nous tout ce qui est mal. Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Seigneur, veille sur nos âmes, veille sur nos familles, éloigne de nous toute surprise désagréable. Cette nuit soit une nuit de paix, cette nuit soit une nuit paisible, cette nuit soit une nuit agréable. Toute visitation nocturne, c'est loin de nos vies au nom de Jésus.
Père, nous remettons, Seigneur, cette soirée entre tes saintes mains. Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous au travers de songes et de visions. Parle-nous, notre Père. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons entendre ta voix. Seigneur, pendant la nuit, révèle-nous. Viens nous visiter au nom de Jésus. Seigneur, éloigne devant nous, Seigneur, tout le mal. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève. Dans le nom de Jésus. Restons calmes et je vais vous bénir. Père, je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis-les spirituellement, physiquement, matériellement. Bénis-les tous au nom de Jésus. Père, je libère cette parole de bénédiction. Seigneur, comme tu m'as dit, témoignage, témoignage. Je veux qu'il y ait des témoignages, Seigneur, en abondance ici. Seigneur, la semaine qui va commencer, Père, je te prie de visiter tout le monde. Et Seigneur, qu'il y ait des témoignages, de nombreux témoignages au milieu de nous, au nom de Jésus. Seigneur, décanter la situation de chacun. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris miraculeusement. Ceux qui ont des problèmes, trouvent des solutions au nom de Jésus. Visitez chacun de nous. Visitez tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce abonde sur nous. Que ta grâce surabonde sur nous. Veille sur nos âmes, veille sur nos enfants, sur nos épouses, sur nos maris, sur toutes nos vies. Oh, que ton nom soit béni. Merci de nous avoir soutenus dans ces jeûnes. Merci vraiment, papa. Merci du fond du cœur pour la force que tu nous as donnée. Même ceux qui ont fait cela, bénis ceux qui ont fait ce programme. Même ceux qui n'ont pas fait, Seigneur, bénis-les. Donne-leur aussi la force, Seigneur, à la prochaine qu'ils le fassent. Au nom du Seigneur Jésus, Père, merci. Rentre avec nous dans la paix. Que cette nuit soit une nuit paisible pour chacun de nous. Au nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Donnons-lui gloire. Voilà, vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole, à ce programme. Vraiment, que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Alors, saluons-nous les uns les autres. N'oubliez pas, demain, c'est mardi. On commence le programme de jeûne de 24h à 22h. Donc, 22h demain, c'est mardi. À 22h, on commence le programme de jeûne. On va descendre à 22h de mercredi, c'est un 24h. N'oublie pas ce programme. Alors, Dieu vous bénisse. Saluons-nous. Dieu vous bénisse. Patrick, sois béni, mon frère. Lady Alex, sois béni. Ma sœur Nicole, sois béni. Chérie, sois béni, maman Bougie. Jolie, sois béni. Maman Adrienne, sois béni, ma maman. Donc, sois béni tous, mon frère David, mon frère Cyril, Dieu vous bénisse. Sois béni, mon frère. Vraiment, Dieu vous bénisse tous. Tous qui nous suivent, voilà, au travers de nos différentes plateformes, Dieu vous bénisse. Ciao. Saluons-nous, saluons-nous. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Patrick. Amen.